Alors, c'est mon bureau, ça? Ok. Y a quoi là? Rachel et Eric, ok. Ah, on était heureux à l'époque. Rien à péter, lâche-moi ça. Ah, y a un truc ici. Partir, hein. Attends, on est séparés depuis un an, je veux dire, bon. Ok. Ensuite. Et elle marche comme un robot, la sœur, là. Hop, 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 il y a un truc, là. Your courage, your willingness to face danger for your country and for each other made this day possible. Ouais. On va pas regarder ça. Propagande, ça va deux minutes, hein. Là, y a quoi? Oh, confidentiel. Date Rachel King, ouais. Déploiement à Kanslayer, le directeur d'opération. Ok. Vous gérez les opérations sur le terrain à la tête des forces de reconnaissance. Ok, donc où il y avait le mec. Ok. Bon. Nous sommes l'agent de liaison. Ok. On va sortir, on a tout fouillé. Ok, ensuite c'est quoi? Ah. Il va pas que ça a freeze. Je crois que si. Alors, est-ce que ça va se relancer? Voilà, ça sert, c'est ok. Un bon petit freeze comme on les aime, hein. Colonel King? Madame King? Lieutenant-colonel, on dirait que tout ce boulot a fini par payer. Tu avais des doutes? J'aurais dû te prévenir que j'avais avancé le briefing. C'est ma faute. Mais la situation s'est aggravée, j'ai dû agir vite. Mon devoir envers mon équipe est de rester toujours informé. Je comprends bien, Rachel, mais ce sont les ordres de CENTCOM. Les ordres? C'est moi le commandant maintenant. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Crois-moi. Je regrette, Rachel. Permets-moi de douter de ta sincérité. Ça vient du COS. Ça confirme que le lieutenant-colonel King est désormais chargé de cette opération. Je vais devoir accéder à votre réseau. J'ai rien. Ok. Je vais essayer de voir ça toute seule, alors. Docteur Stokes, veuillez préparer la présentation. T'as trouvé quelque chose?
C'est quoi ce truc? L'art moderne ou quoi? Ce sont des images du programme ultra-secret Kellus. Et je suis censé savoir ce que c'est? C'est un système de satellites thermiques que j'ai mis au point. Oh, ça c'est la classe. Je vous en prie, illuminez-nous. Vous agissez comme ça dans tous vos briefings, caporal? Les gars ont hâte de faire une petite pause, chef. Pardonnez-leur. Ça ira. Les images satellites de la zone de guerre ont révélé ce qui ressemble à une sorte d'entrepôt souterrain. Tout cela, bien sûr, devrait être examiné de plus près, mais je soupçonne que c'est là que sont cachées les armes chimiques de Saddam. T'es foutu, espèce de salopard. CENTCOM a autorisé le raid sur l'entrepôt et la saisie de toute arme qui serait trouvée sur le site. Les hostilités sont finies, mais des groupes de la garde républicaine résistent dans tout le pays. Ils pourraient déployer ces armes à tout moment, il faut donc agir vite. L'armée va nous conduire là-bas en hélicoptère. En arrivant, le lieutenant Kolchek dirigera le raid sur l'entrepôt. Quand le lieu sera sécurisé, nous ferons une inspection complète des armes. Écoutez bien. Malgré le changement de commandement, l'expertise opérationnelle de Rachel et sa connaissance des lieux sont toujours aussi précieuses. Elle viendra donc avec nous, et je tiens à ce que vous lui montriez le même respect. Vous avez des questions? Mais qu'est-ce qu'on attend, bordel? Je suis prêt. C'est un territoire tribal, là-bas, colonel. Je vous préviens, ce sont de vrais sauvages. Des renforts aériens sont prévus. Non. Si on fait trop de bruit, on va attirer l'ennemi. On entre et on sort, vite fait. Ça, c'est ce que ma mère t'a demandé de faire. Et la ramène pas. Si je m'étais pas retiré à temps, j'aurais pu être ton papa. Allez, ça suffit, Merwin. Chef, quel est le plan? On attend le plan de Quentin. Je vais demander aux renforts aériens de se tenir prêts. Nos hélicos peuvent voler sous les radars. Le site se trouve dans les monts Zagros, propice aux couvertures. Silence radio jusqu'à ce qu'on ait les armes. Si on ne se manifeste pas dans les 24 heures, CENTCOM lancera une opération de secours. Il peut se passer plein de trucs en 24 heures. Oh, arrête de faire chier. Je faisais juste la remarque. C'est pour ça qu'on fait cette guerre. C'est pour ce genre de choses qu'on se lève tous les matins. Que ce soit clair, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on empêchera Saddam d'utiliser ses armes. Soyez prêts dans une heure. Rompez. Bon bah c'est clair, hein. On part à la guerre. Clarisse, installons le matériel. On l'occupe. Je sais pas, mec. Je le sens pas, là. J'ai une drôle de sensation dans la nuque. Oh, chouchou, non. Un bon petit massage et ça ira mieux, hein? Je suis sérieux. J'ai un très mauvais pressentiment. Voilà ce qui arrive quand on passe trop de temps avec Eric. Vous pouvez faire quelque chose? Je l'ai snobé. Je vais télécharger les dernières données satellites. Vous pourrez passer un peu de temps avec lui. Merci, Clarisse. Eric, il faut qu'on parle. Il faut que je te parle d'un truc. Je veux que tu saches, ce n'est pas moi qui ai décidé de reprendre ton opération. Je veux pas parler de ça, Eric. Rachel, on y est. Tout ce pour quoi je bosse depuis des années, c'est le moment. C'est pile l'opportunité qu'on attendait. Je veux pas parler de nous, Eric. Je voudrais seulement que tout redevienne comme avant. Comme avant. C'était pas génial entre nous. On a connu pire. Vraiment pire. Oui, Eric. On parlera. Mais plus tard. De toute façon, il faut que je parle. Pas comme ça. Hé, lâche mes mains. Tu ne portes plus ton alliance. Hé, hey, allez-y doucement. Oh merde, pardon. Vous avez quoi dans votre mallette magique? C'est quoi ce machin? Une lampe à UV. Ça permet de chercher les explosifs. J'aimerais essayer. Non.
Le téléchargement va être long, Clarisse. Il me le faut au plus vite. Est-ce que 5 minutes, c'est assez rapide pour vous? C'est bon, ça télécharge. Bien, je vais regarder les cartes satellites. La connexion est lente. On fait avec ce qu'on a. Vous pouvez signer ce 1348? Hein? Remise de matériel. Merci. Bien sûr. Tu vérifies le matos. Et plutôt deux fois qu'une. Ouais, j'ai compris. Alors... On a du phosphore blanc. C'est quoi ça? Je reconnais ça. Hé, doucement avec ça. Vous embarquez du phosphore? Ce n'est pas... Si, c'est interdit. Mais on peut s'en servir pour faire de la fumée. Ça fonctionne comment? Grenade au phosphore blanc 40 mm. Ça sert à marquer des cibles, se planquer, ou parfois même faire le ménage. C'est petit, mais ça balance un paquet de fumée et ça crame tout. Formé aux soins. Merci pour la leçon, lieutenant. Les couvertures à basse altitude. Revérifions ce matos. Dans des conditions où la plupart des mecs auraient appelé l'ordre. Quel joli palmarès. J'espère que vous n'êtes pas qu'une grande gueule. Non, t'as rien à me dire? Ok. Putain, un gras de papier. Là, y a rien. Là, y a quoi? Confidentiel, j'espère. Oh! Conseil d'administration. Organiser et diriger les ressources. Ouais. Mettre à profit ses ressources. D'accord. Préparer et diriger les opérations. Ok. Opération Irak libre. Ça fait oil. Voilà. Ok, ça veut dire pétrole en anglais. Bien joué. Bien joué le petit troll. Hop, excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, excusez-moi. Le président Bush déclare la fin des hostilités en Irak. Ouais. Ouais. Ok. Ah, il y a une carte. Voyons voir. Non, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah non, ici. Eh ben, Rachel, vous semblez aussi énervé que ces types. Ça va? Matinée de merde. Ouais, il vous a un peu stressé, non? Pourquoi m'avoir caché votre mariage? Parce que ce ne sont pas vos oignons. Rangez ces cartes et allez plutôt vous rendre utile. Désolé, je voulais pas... Rompez. Vous croyez qu'on va trouver Ali le chimique sur ce site? S'il est dans les parages, on le coince. Confidentiel, OP Group, enquête iranienne. Le risque en vaut presque le coup. Bandit en activité. Presque. Bah, en fait, Yves, je préférerais quand même être derrière un bureau. Ok. Si ça tourne mal, on pourra au moins compter sur les renforts aériens. Je suis sûr qu'on n'en arrivera pas là. Vous semblez confiant? Vous semblez surpris? Ah, je savais que vous aviez une bonne raison de nous suivre. Je comprends pas. Bah, on va avoir besoin de quelqu'un pour nous faire des jolis nœuds et tout.
Vous avez du mal avec les nœuds? Je vais vous trouver des chaussures à scratch, vos lacets ne vous embêteront plus. Ah. Mais qu'est-ce que vous attendez? Montrez-moi comment on fait. Et tant que vous y êtes... Quoi? Vous voulez que je vous torche les fesses aussi? C'est bien ce que je crois. Du bébé, chef. Quel bougeat. Parler à une femme comme ça. Ce n'est pas autorisé. Si on ne respecte pas la convention, on tombe aussi bas que sa dame. Je ne veux pas de ses armes pour cette mission. Connerie, on a besoin de toute l'aide possible. Sergent Kay, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. C'est un ordre, pas un point de débat. C'est compris, colonel. On ne prendra pas ses armes en mission. Tout va bien? Oui. Tout va bien. Ça, on a pris. C'est pour l'ONG. Ah. Ah bah voilà. C'est téléchargé. On va aux hélicos. Alors? Quoi? T'as une question à me poser. Ça se voit à la gueule que tu tires. T'en penses quoi de ce type? J'imagine que tu parles du commandant. Il est sympa. Mais par ici, ça sert à rien. Et toi, t'en penses quoi? J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. Il va y avoir du rififi, je vous le dis, moi. Zayn! Anagit! Zayn? Trouver Zayn. Ah, c'est mon fils, c'est quoi? C'est... Ah, ça va être le fiston. Qu'est-ce que c'est que ça? Araf. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Il est là-dedans. Zayn, t'es où mon ref? Zayn. ولسه ما كبرش من الخرافات دي. Ok. Ah. Alors, pourquoi il a une carte? Ok, là c'est le mensuel Loch Ness.
Ok. Zain Tani. Ahbel. Hello. Hello, I'm Salim. Salim? Salim Garkun, Abu Zain. Of course. Rajat? Yes, Rajat. He was Zain with... He was Zain with your son. ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاوتوبيس بقالهم ساعه كله بخير لا لا كله تمام اصله كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه دينية كويسه لما يرجع ابعته لي حالا ما اقدرش اقول امتى هيجوا انت عارف الولاد اي وقت ابعته لي لو سمحتي Il est parti faire la bringue. Là, 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 il y a Dini. Je t'ai loué. Oh. Captain Basri, ahlan. Ah, mon laisse. Laisse-moi te faire un tour. T'as plutôt les sardes. L'ado gay, Salim. L'ado gay, allez, n'a de loué. L'ado. يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش السلم العدو جاي ودي أرضنا وإحنا لازم نتعرب ليها شايفينهم؟ مطلوب تأكيد يلا شوف جايين علينا قولك إحنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا ما أقدرش أعمل ده يا فندم ابني محتاجني ده أمر يا جندي مش طلب ده واجب عليك فهمت هرجع البيت قريب خلاص يا دار دي آخر مهمة كابتن بص هناك يعني صحن الخنازير بيطيروا هيهبط قرروا نفسكم يا رجاله تستاهل معايا زيادة تعليم ابني مش رخيص تعمل فيني عندك حق مقدار جاهز تتحرب يا مناسب هيجيني زيادة ايوه زيادة دول هيشتروا لكل واحد لينا قصر وانا حامل ايه في القصر اذا ما كنتش هقدر افرشه خد خلي عينك عليه مش
الصين. انت تعرف هذا ازاي؟ غير قلوب معاهم واحده بنت مدنيه. Quentin a mis pause, est-ce que ce serait pas la fin de ce premier épisode? Et j'avoue, ça fait longtemps qu'on est dessus, hein. Pas mal de cinématiques et pas mal de découvertes de personnages. Donc je pense que ça promet par la suite. Et je pense savoir où est-ce que ça va nous mener, cette petite histoire, pour la suite des épisodes. Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'action et beaucoup de peur. Ça, c'est une certitude.